Une petite vidéo très courte. Vous connaissez le problème dans Diablo 4. Quand vous avez l'inventaire local et que vous voulez envoyer tout sur votre inventaire, votre coffre ou tout vendre, ce que l'on a à l'écran, je vous montre l'écran de droite et l'écran de gauche. Voilà. Donc ici, on va avoir un souci, c'est qu'il faut réussir à envoyer tout ce qui est à droite à gauche. Voilà, eh ben, si je vais le faire, je dois le faire pour chaque élément, les uns après les autres, et c'est vraiment fastidieux. Et donc, je me suis fait une petite macro sur Touch Portal. Ici, cette macro, elle va cliquer aux différents endroits, et elle va cliquer droit, voilà, aux différentes positions. Et ça, mon Touch Portal, eh ben, il est soit sur un écran de l'ordinateur, soit sur, puisque Touch Portal permet de l'avoir sur un smartphone, une tablette, je l'ai sur mon smartphone à côté, et je clique sur mon smartphone sur la fonction vider l'inventaire, et il me vide l'inventaire. Alors, je vais le faire en direct. Donc, je vais montrer les deux écrans. Si j'appuie sur mon bouton vider l'inventaire, paf, voilà, ça y est, c'est fait tout seul. J'ai plus besoin, je peux me barrer, mon inventaire est vide. Non, si je rouvre, il n'y a plus rien dedans, tout est dans de ce côté. Voilà. Enfin, dans l'onglet dans lequel je l'ai mis. Voilà, c'est tout. Alors, si ça vous intéresse, je vous ferai voir comment réaliser cette petite macro où j'exporte la macro et vous l'importez dans Touch Portal et elle va fonctionner. Allez, à plus. Merci d'avoir regardé.